Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 13e épisode du Let's Play sur Cat Quest 2. Dans l'épisode précédent, on a fait pas mal de quêtes annexes du côté du royaume des chiens. Et donc voilà, on va continuer nos quêtes annexes. Là on est à la Choasis. On doit récupérer des recettes de hot dog pour Atutu. Et donc voilà, on s'occupe de ça pour le moment. Atutu a trouvé le voleur, la piste est chaude. Aidez-nous à attraper le chien, s'il vous plaît. Hot dog. Pouvoir de l'or. Le nez d'Atutu a repéré l'odeur d'un voleur. Ça doit être là qu'il habite. C'est quelque part vers le nord-est, là où on trouve de nombreux cactus. Et bah, il va habiter dans la grotte, quoi. Reprenez ce qui a été volé, votre cabotance. Partez vers le nord-est, c'est trop le voleur. Vous m'avez trouvé? D'accord, dans ce cas, je vais vous donner la Wharf 7. Approchez-vous. Ah ah, vous croyez que j'allais vous la donner? Dommage. Atutu l'a bien chargé. Comment ont-ils volé toutes les filles? Vous savez quoi, je vais l'utiliser contre lui. Les fangirls, ces types recherchent une petite copine pour Atutu. Atutu, je t'aime, je pourrais être ta femme. Non, moi, je suis sa femme. Moi. Woofers, vous êtes tellement nombreuses, mais ces deux types disent qu'aucune d'entre vous n'est assez bien. Lui, il cherche la provocation. Comment osez-vous nous juger comme ça? Attrapez-les, ces cabots! Moi, tu traites de cabots? T'as osé traiter de cabots? C'est un chat. Oh, seigneur, vous avez battu la horde. Je vais vous la donner. Mais ne me faites pas de mal. Vous donne la Roi 7. Je pense qu'il essaie de nous tendre un piège. Crotte du cactus. Je vais regarder ça. C'est à niveau 100. Les crottes de niveau 200, etc. Là pour le moment, j'en suis loin. Je sais même pas si j'y arriverai un jour. Vous donnez à Atutu Klebzo la Roi 7. La paix et les hot dogs sont revenus dans le monde. Votre récompense vous attend. On se retrouvera à votre cabotin, c'est indéniable. Comme un hot dog qui est meilleur chaud. Je vais pas monter de niveau, l'arnaque. L'arnaque. Un travail délicat nécessite un professionnel. Aidez Atutu à trouver un chef. De la délite. Atutu est un maître d'armes, pas un maître de la gastronomie. Mais Atutu connaît un chef célèbre. Apportez-lui la Roi 7, votre cabotance, il la réalisera pour Atutu. Atutu vous donne la Roi 7. Faut-il aller? Okay. Quasiment au début. J'ai vu un petit coffre qui est doré. Un petit coffre doré est à récupérer. Est-ce que c'est intéressant si j'équipe cette épée?
très lourde, très lente. Warf 7 légendaire pour des hot dogs, quel gâchis. Mais je dois un service à tout. Donnez-la moi. Oh, donne Ramsay. Gordon Ramsay. Ok. Vous donnez la Warf 7 à Ramsay. Je la ferais bien si j'avais ma spatule. Un monstre baveux de la manger. C'est l'un d'entre eux, détruisez les tous et récupérez ma spatule. La spatule de Ramsay. Bah mince. Vous donnez sa spatule à Ramsay. Oh mon waf, c'est génial. Attendez ici, ça ne devrait pas prendre trop longtemps. Et voilà, tenez, prenez-la. Ramsay vous donne le hot dog légendaire. Dites à Otutu que nous sommes quittes. César vole le hot dog légendaire. Eh bien, ne vas-tu pas me bondir dessus et me le reprendre? Otutu ne posera jamais ses pattes là-dessus. César mange le hot dog légendaire. Qu'est-ce que je me sens? Puissant. Là, on va essayer de se débarrasser de ces... Voilà. Tout entendu, venez ici vous deux. Vous avez bien de la chance que j'en ai préparé un rap, tenez. Ramsay vous donne le hot dog légendaire. Maintenant, chadieu pour de vrai maintenant. Je fais mes valises et je m'en vais. Atutu est là pour s'assurer que personne ne vous vole le hot dog. Ou est-il trop tard? Vous donnez à Atutu le hot dog légendaire. Atutu peut ressentir la puissance de ce hot dog. Son potentiel est illimité. Attendez ici 5 secondes, c'est tout ce dont Atutu a besoin Atutu. Par contre, je change d'épée avec le chat. Atutu est revenu. Ok, le hot dog. Atutu vous remet cette arme mi-ultime, inspirée par le grand hot dog. Atutu vous est redevable, votre impotence. Puisse les voix du hot dog vous protéger. Ouais, je veux changer d'arme parce que. Parce qu'elle est lourde. Mince, c'est pas la glace que je veux. Elle est niveau 30 avec. De la pierre tombale. On va aller sauvegarder avant parce que je sens le piège, une grotte de niveau 1 comme ça. Ça semble beaucoup trop facile.
D'ailleurs, il y avait une grotte en bas où il y avait un bonhomme de cachet. Je sais plus c'était quel niveau, c'était 80 ou. Grotte de la pierre tombale. C'était pas vraiment une arnaque. Hein. Katana violet. Okay. Il y avait de l'expérience à récupérer. Okay. Un point d'expérience. Je sais pas ce que ça signifie ce logo là. Est-ce que ça veut dire que j'ai bien fini? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des. J'ai oublié des trucs? Je pense que ça veut dire que j'ai bien fini. Je voulais voir la grotte qu'il y avait en bas. Réserve immobile. C'est 90. On va tenter quand même. Allez. On va. Vous trouvez un bout de papier. Ceci pour n'importe quel chien qui oublie le chemin vers notre cachette est celui-ci. Vers le sud jusqu'à ce que vous voyez le feu. Alors, je vais reprendre un stylo. Il fut un temps où j'avais un stylo près de moi. Je sais pas où je l'ai. J'en ai un là. J'espère qu'il fonctionne. Alors, sud, jusqu'au feu, puis est, jusqu'aux trois pierres, puis sud. Oh, et n'oubliez pas de garder en permanence cette note avec vous, ne la laissez pas tomber nulle part. Sud jusqu'au feu. Est jusqu'aux trois pierres. Là il y en a deux, c'est pas là. Là il y en a trois. Puis sud. Pour attaquer un peu. Quand je les gèle. Un bout de papier. Ce message est réservé aux meilleurs chiens. Allez vers le sud-ouest à partir du feu. Sud.
quest. Partir du feu. Cela vous amènera un trésor super secret. Ne perdez pas cette note. Okay. Donc à partir du feu. Sud-ouest, normalement c'est par là. Vous sentez quelque chose se déverrouiller quelque part. On a récupéré la clé qui doit pouvoir ouvrir la grotte. Au final, il n'y avait pas besoin spécialement du niveau 90. Ça m'a rapporté pas mal de sous. Armure de squelette de roi. Armure de squelette, c'est ce que je porte. Ah non. Ouais, c'est ce que le chat porte. Chose dans la grotte. Là, on a de l'équipement en plus, ça améliore. Je suis désolé. Je voulais sauvegarder. Oh bonjour, voulez-vous m'aider à faire de cette Waftopie un endroit encore plus génial?
Désolé parce que en fait là je suis en train de voir les actualités de l'explosion à Beyrouth. Donc là on est le 4 août. C'est assez impressionnant. Je m'appelle Jean Jap et je vous souhaite la bienvenue dans ma Waftopie. J'ai travaillé très dur pour en faire le meilleur endroit pour les chiens. Tous les chiens sont mes amis. L'eau du bassin de cette choasis m'a beaucoup aidé. Elle a un effet calmant sur les chiens. Pour faire de la publicité pour cette Waftopie, j'ai placé deux tonneaux de cette eau dehors. Je pense qu'ils sont à court. Je les ai indiqués. Pourriez-vous refaire le plein pour moi? Jean-Jacques vous donne une bouteille d'eau de la choisisse. Allez, allez. Hey, merci d'avoir détruit ces monstres pour moi. Je vais prendre ce tonneau. Utilisant, jette le tonneau d'eau dans l'océan. Pourquoi t'as fait ça? Je vous conseille de ne rien croire de ce que dit Jean-Jap. Et aussi, j'arriverai certainement à ce deuxième tonneau avant vous. Bah Jean-Jap, tu racontes des mensonges? Et vous devriez essayer cette eau, elle est chabuleuse. Oui, c'est fantoustique. Non, d'un chien, c'était trop tard. La Waftopie m'appelle. Waftopie, me voilà, attendez-moi. Vous voyez l'effet de cette eau? Jean-Jap lave le cerveau des chiens pour les attirer à lui. Il a versé des produits chimiques bizarres dans cette choasis, nous devons l'arrêter. J'ai un plan, retrouvez-moi au paradis des balles plus tard. Allons-y. Vous êtes ici? Je m'appelle Puppins. Si on veut arrêter Jean-Jap, il faut d'abord que vous récupériez quelque chose. J'ai examiné l'eau et trouvé comment neutraliser l'effet de lavage de cerveau. J'ai créé un antidote, mais il me fallait m'assurer que Jean-Jap ne le découvre pas. Je l'ai donc caché dans cette tombe avec un sort que j'ai acheté à un marchand. Si vous marchez sur la bonne tuile bleue, le sort caché se désactivera. Je reste ici. Je renifle les alentours pendant que vous allez chercher l'antidote. Bonne chance. Marchez sur la bonne tuile bleue. On va essayer de se débarrasser d'un peu des monstres. C'est un peu le bordel là. Chapeau de mage de feu. Donc quand il parle de tuiles bleues, je pense que... Là on y va un petit peu à l'arrache.
marqué où sur la tuile? Je l'avais pas remarqué. Vous recevez l'antidote de Puppies. Attire tempête. Une antidote à Puppies. Spectaculaire. Allez, suivez-moi, je vais le verser dans la dans le choasis. Puppies verse l'antidote dans le dans la choasis. Merveilleux, il faudra du temps pour qu'il se mélange à l'eau. Tenez votre récompense. Allez voir Jean-Jacques plus tard pour voir si l'antidote a marché. Oh, et merci beaucoup. Vous deux, quelque chose ne va pas. J'ai besoin de votre aide pour réparer cela. C'est Shabe, mes amis qui m'a Waftopi. Qu'est-ce que je faisais ici? Vous voyez? Pourquoi est-ce qu'ils partent? J'ai travaillé si dur pour m'assurer qu'ils soient tous mes amis. Quelqu'un a dû faire quelque chose avec la Choasis. Est-ce que ça pourrait être? Je dois inspecter la Choasis. Suivez-moi, j'ai besoin d'une truffe en plus pour renifler les indices. Je sens quelque chose qui n'est pas censé être là. Je pense que je peux sentir la source. Attendez, je le sens sûr. Vous deux, c'est vous qui avez saboté ma Waftopi. Vous avez éloigné mes amis, vous allez le payer. Aïe. Je parle à qui, quoi? Je vais te payer, quoi. Tous, non. Pourquoi? Tout ce que je voulais, c'était des amis. Toujours été le plus bizarre. Personne n'a jamais voulu être mon ami. Ce n'est pas vrai. J'ai toujours été à tes côtés, mais tu es allé un peu loin cette fois-ci. Mais je suis désolé de t'avoir laissé seul, Jean-Jap. Puppins? Meilleurs amis pour toujours. Quant à vous deux, bondissez par ici. Désolé. Je sais que vous ne pensiez pas à mal. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Tenez, prenez ceci. Jean-Jap tend une bouteille d'eau de Choasis. Jean-Jap. Waf waf waf, désolé. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Voilà pour de vrai cette fois-ci. Le moment est venu pour nous de partir et créer une vraie Waftopi. Merci pour toute votre aide. Ça c'est cool. Donc là, il ne restera quasiment que les quêtes au niveau de la capitale. On va aller voir le banni. Bon, la quête est niveau 85, mais on a vu qu'on pouvait s'en sortir sur des quêtes de niveau 90. J'ai reniflé une autre présence magique. J'ai besoin de votre aide. La présence magique ressemble à un casque de métal spécial. Peu importe, j'ai marqué l'endroit pour vous. On va le chercher. Bonjour, bienvenue dans mon bazar de casque temporaire, comment puis-je vous aider? Vous recherchez un casque spécial? M'attendez ici.
Donc ce casque ici, je vous jure, parfois j'ai l'impression qu'il peut bouger tout seul. Vous voyez, je vous l'avais dit, vous feriez mieux de courir après. Prenez le casque. Prenez le casque. Oh, c'était à partir de ce moment-là. Donc voici, ce casque est maintenant à vous. Votre force vous a valu le titre de capitaine. Je savais que vous aviez le potentiel pour vous battre pour notre cause. Vous vous souvenez, je vous ai accueilli. Vous êtes spécial, Rufus. Votre fidélité me revient. Oh, c'est un autre de mes souvenirs. Alors, on dirait que je m'appelle Rufus et que j'étais un soldat qui avait du chien. Chabuleux. Alors, regarde ça, la marque grandit. Cette boîte bizarre est revenue, pour votre information. Je vais rechercher plus d'indices, je serai là comme d'habitude. Le point de garde, c'est le point. J'ai pas envie de mourir bêtement en fait. Parce que là, il va peut-être me demander une quête de niveau 90 ou un truc comme ça. En tout cas, c'est cool pour l'instant. Là, on monte de niveau petit à petit. De toute façon, je pense que dans un des prochains épisodes, je continuerai la quête principale. J'ai décelé une autre présence magique. Êtes-vous prêt? Utilisateur de magie. La présence magique est maintenant à l'intérieur d'une tombe. Je vais la marquer. Aidez-moi à l'attraper. Ouais, ça a été chiant. Je veux pas trop me prendre de dégâts. Ça, on a été récupéré. On va attendre que ça retire. Il y avait le coffre. Défoncer.
prenez le bateau. Alors on va sortir par là parce que il y avait un coffre à récupérer. Un coffre doré. Là je peux sauvegarder. De spectre. Vous tentez le bâton. Ce bâton daté de cette époque. Mon roi, l'un des mages errants lui a offert un bâton aujourd'hui. Ils lui ont dit qu'il avait du potentiel pour la magie. Quoi? Il n'a pas posé de questions? Il a posé des questions sur la marque sur sa tête. Mon roi, vous devez le lui dire. Chut, il est là. Rufus, mon garçon. On ne peut pas faire confiance à ces mages. On va devoir vérifier le bâton. Viens, donne-le-moi. Fais-moi confiance. Je te le tiendrai au chaud. Tu m'écouteras toujours, non? Attendez, donc ce souvenir nous a montré que je peux utiliser la magie. Ok. Je pense que la marque est en train de former une espèce de symbole. Armure d'éclaireur, ok. J'ai besoin d'en savoir plus, venez me retrouver, je serai près d'ici, ouais. Juste voir... Oh, cette présence magique semble puissante et proche. J'ai fourrément besoin de votre aide. 95, ça va être plus dur. On tentera dans le prochain épisode. Ce sera encore un épisode de quête annexe, les amis, je suis désolé. Ouais, ce sera encore un épisode de quête annexe parce qu'il y a celle-là plus celle au niveau de la capitale des chiens. Donc voilà, on fera pas mal de quêtes annexes dans le prochain épisode encore une fois. Puis après on essaiera d'avancer un peu dans la quête principale. Je ferai peut-être du off pour récupérer pour visiter différentes grottes, etc. Et là on voit au niveau des quêtes annexes que je suis pas mal. J'en ai fait 58 sur 67, donc j'en ai réalisé quasiment tout. Au niveau des équipements, j'ai quasiment tout aussi. Enfin, j'ai quasiment une trentaine. Par contre, au niveau des grottes, j'ai pas visité grand chose, donc je vais faire ça en off. Il y a juste ces quêtes annexes que je vais faire en live, en épisode. Donc, on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures sur Cat Quest 2. Et d'ici là, portez-vous bien, à bientôt, ciao!